La Minute Santé vous est présentée par l'Alliance Kol Israël Haverim, une action éducative d'excellence au service de tous. Sujet tabou pendant des décennies. Aujourd'hui, on en parle et c'est tant mieux. Phénomène naturel qui va toucher toutes les femmes et qui correspond à la fin de la période de reproduction entre 45 et 55 ans. Règles irrégulières, bouffées de chaleur, palpitations ou sueurs nocturnes, perturbations du sommeil, fatigue, troubles de l'humeur, irritation, difficultés de concentration ainsi que baisse de la libido, prise de poids 2 à 5 kg. Enfin, la baisse des œstrogènes peut entraîner entre autres divers problèmes comme l'ostéoporose ou des troubles cardiovasculaires. D'où l'importance d'un suivi médical régulier. Adopter un mode de vie plus sain. Modifier son alimentation en buvant beaucoup d'eau, diminuer l'alcool, le café, les épices ainsi que les sucres et consommer des aliments riches en phytoestrogènes. L'exercice physique et la lutte contre la sédentarité sont obligatoires. Plusieurs traitements à notre disposition. Le traitement hormonal qui sera prescrit par un médecin spécialiste avec des précautions particulières. Les traitements non hormonaux comme l'acupuncture ou les huiles essentielles qui peuvent aider à atténuer certaines manifestations de la ménopause. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou et votre médecin peut vous aider à passer cette période de manière moins pénible. Votre santé est ce que vous avez de plus cher au monde. Sachez en prendre soin. La Minute Santé vous a été présentée par l'Alliance Kol Israël Haverim, une action éducative d'excellence au service de tous.